Me regarde pas comme ça, oh! Et Peach, je crois que je te vois mal avec mon regard de vénère. Au secours, eh ben oui, désolée, je peux pas préparer de pâté pour chat. Je suis pas encore, encore formée pour préparer ce genre de choses. Donc je fais des pancakes. Oh, ma bébé. Elle est pas contente. Salut les petits chats, c'est Juju Fitcat. Et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous ai sondé sur Instagram, sur YouTube. Vous avez choisi la recette que vous aviez envie de voir. Du coup, je m'y suis attelée, mais je me suis dit, meuf, t'es pas comme ça. Genre, tu vas pas leur faire une seule recette. Non, toi, t'es du genre à essayer de toujours vouloir faire plus. Donc, je vous ai préparé exactement 3 recettes de pancakes à base de seulement 2 ingrédients. Et là, vous allez me dire, ouais, mais meuf, comment tu peux faire 3 recettes avec seulement 2 ingrédients? Genre, y a pas un truc qui cloche? Et non, les petits chats, puisque pour chaque recette, les 2 ingrédients seront différents. L'idée, c'est qu'en fait, vous puissiez tous, en fonction de ce que vous avez sous la main à la maison et également en fonction de vos convictions alimentaires, refaire ces recettes, donc les petits chats. Je vous propose de suite de démarrer par la classique banane œuf. C'est parti! Olé! Je me sens très professionnelle quand je synchronise deux caméras comme ça. On est content, les gars. Celle que vous connaissez peut-être pour certains, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. C'est la fameuse recette de pancakes à base seulement de bananes et d'œufs. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une banane qui est suffisamment mûre, histoire qu'elle apporte vraiment un goût bien sucré. Et cette banane, on va la mettre dans un bol. On vient écraser la banane avec une fourchette. Ok, donc là, il faut vraiment, vraiment réduire la banane en purée, hein, c'est l'idée. Et une fois que la banane est bien écrasée, on va venir ajouter nos œufs. Donc là, on va prendre 2 œufs entiers. Donc hop, vous en cassez un premier, ensuite un deuxième, et on va mélanger. Donc là, on vient casser en fait, hein, les jaunes d'œufs. On les remue correctement avec notre banane écrasée. Personnellement, je trouve qu'avec une seule banane pour 2 œufs, ça donne une pâte qui est beaucoup trop liquide. Du coup, ce que je fais, c'est que je vais venir ajouter une deuxième banane que je vais venir écraser dans mon bol. Donc on prend la fourchette, on écrase correctement la banane. Alors là, c'est un peu plus dur de voir si on l'a bien écrasée, parce que du coup, il y a déjà les œufs, les gars. On va pouvoir passer à la cuisson de cette recette, les gars. C'est hyper rapide à faire. Enfin, franchement, c'est pas compliqué. Vous le savez, mais je le répète, on ne sait jamais. Pour ma part, je prends de l'huile de coco. Et là, ce qui est très cool, c'est qu'à la maison, j'ai une petite poêle à pancakes. Donc, du coup, on va pouvoir donner à nos pancakes la forme qu'on a envie de leur donner, à savoir une forme de pancake, les gars. On fait chauffer la poêle à feu vif de façon à ce que lorsqu'on vienne mettre la pâte à pancake, la pâte soit très rapidement saisie, un petit peu comme les crêpes. Donc là, on laisse l'huile de coco fondre. Une fois qu'elle est fondue, on vient tranquillement l'étaler. Vous laissez encore un petit peu la poêle chauffer. Vraiment, faut que la poêle soit bien chaude quand on va venir verser la pâte. La poêle est bien chaude, les petits chats. Donc là, on va prendre notre pâte à pancake qu'on va venir ajouter. Hop, je sais pas exactement combien de pancakes ça va nous donner, mais on va faire au feeling. Ce qui va être hyper dur, je pense, avec ce genre de recette, c'est de les retourner sans que chaque pancake vienne se casser complètement. On va essayer de faire un truc cool quand même, hein. Ok, bah c'est pas mal, hein. Hop, je rajoute un petit peu de surplus là où il y a de la place. Oh là là, ça sent tellement bon. Et franchement, cette recette, c'est genre un basique, mais c'est hyper facile. C'est-à-dire que si vous avez plus rien à la maison, qu'il vous reste juste des œufs et des bananes, bah en fait vous avez un petit déj ou vous avez un goûter hyper rapidement. Évidemment, là moi j'ai une poêle à pancake, donc ça leur donne tout de suite une forme qui est hyper cool. À la maison, si vous en avez pas, c'est pas grave. Vous faites en sorte de faire des jolis ronds dans une poêle. Et je pense que vous êtes tous capables de faire des jolis ronds, les gars. Ça fait quand même des années qu'on apprend les formes et les couleurs. Ça devrait bien se passer. Oh là là, les chats, l'odeur qui se dégage, putain, mais c'est ouf. Et non mais Peach, hey, ça va, me dérange pas? Je propose d'ailleurs qu'on démarre le retournement de pancake. Je crois que c'est celui-là que j'ai mis en premier, non? Alors le seul truc très chiant avec les poils... Ah, attendez. Oh, non, attendez, attendez, attendez. Oh putain, je crois qu'on est sur un truc cool. Là, va falloir ne pas déconner. Ça se décolle très très bien, donc ça c'est très cool. Maintenant, ça va être comment faire pour que tout vienne se glisser là-dessus. Non mais j'ai l'impression de faire une opération chirurgicale de pancake. Ok, ok. Et de un pancake trop bien retourné, il est trop beau. Folie, les gars, la folie. Je vous avais dit, 2 bananes, c'est beaucoup mieux qu'une seule. Ça, c'est choisi. Oh, ça veut dire quoi, ça? Mais non, mais... Non, mais c'est quoi comme vidéo? Bibou, 2 bananes à manger.
C'était encore plus bizarre. Encore pire. On continue l'opération, les petits chats. On essaye d'y aller genre vraiment tranquille. Ok, et de deux. Mais non, mais ils sont magnifiques. Oh, hop, 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 ça y est, je m'enflamme. Il y a deux petits pancakes qui sont venus se coller. Je suis trop contente et les autres recettes vont être ouf aussi. Donc franchement, ça va être une petite pépite. Vous aurez trois recettes de pancakes hyper faciles et hyper cool à faire. J'ai trop hâte. Les petits pancakes de la petite bibou, ça va être trop bon. Les petits pancakes de la petite bibou, la petite bibou, la petite bibou. Ouais, c'est moi. Mais c'était méchant! Espèce de jaloux! Tout ça parce que tu sais pas cuisiner! Oh, j'ai raté mon prout! On a pas la même conception de cuisine. Ok les chats, je pense que... Oui, nos pancakes sont prêts! Ce qui est top, c'est qu'ils sont hyper fluffy! Oh là là, on a une tour de pancakes, mais genre... Tu sais, c'est comme les tours de pancakes qu'on voit sur Instagram qui donnent trop envie, trop faim là à chaque fois et que toi, quand tu les fais à la maison, t'y arrives pas du tout! Et bah là, les gars, c'est exactement ce sur quoi on est! Écoutez, on va les mettre de côté. On va passer aux autres recettes parce que bien évidemment, je vous avais dit que j'allais vous donner la recette classique, mais que j'allais pas vous laisser comme ça en mode c'est trop facile en fait, tu vois. Et vous le savez, moi j'aime bien vous proposer des recettes qui viennent de moi. Clap, clap, clap. Je vous disais qu'on allait de suite enchaîner avec la deuxième recette où là aussi on va avoir besoin de bananes, les gars, et de deux bananes encore une fois. Donc vous prenez vos bananes, vous les mettez dans un petit bol, hein, voilà. Vous venez les écraser comme tout à l'heure jusqu'à obtenir vraiment bah, une purée de bananes où il n'y a plus de morceaux. Tu m'as entendu ? Oui. Je moi aussi je t'aime, Viva. À la fois. C'est fort. Moi aussi je t'aime. Tu me manques déjà. Mais oui, tu me manques, je t'aime. Allez, va-t'en. Au secours, il s'arrête jamais. Et une fois que vos bananes sont bien écrasées, vous allez prendre une cup de flocons d'avoine. Alors, ça fait très American. Je me suis enflammée. Une cup, ça correspond tout simplement à environ 90 grammes de flocons d'avoine. Donc là, on va venir les ajouter petit à petit. On vient remuer. Quand on voit que c'est bien mélangé, on ajoute une autre partie. On remue à nouveau. Et enfin, on ajoute la dernière partie. On remue une dernière fois de façon vraiment à ce que la purée de banane se mélange correctement avec les flocons d'avoine. Une fois que la préparation banane flocons d'avoine est prête, vous reprenez votre poêle comme tout à l'heure, vous la mettez à nouveau à chauffer à feu vif et là encore une fois on va reprendre de l'huile de coco pour la cuisson. Là vous venez étaler votre huile de coco correctement dans votre poêle, vous laissez à nouveau votre poêle bien chauffer et une fois que la poêle sera bien chaude, on viendra ajouter nos pancakes. Donc là c'est une préparation qui est complètement différente de la préparation de tout à l'heure. Là on est sur quelque chose de plus compact et là très clairement c'est pour les gens qui n'ont plus d'œufs à la maison. Ça arrive les gars, parfois on n'a plus d'œufs à la maison. Maintenant que la poêle est bien chaude, on va venir ajouter nos pancakes à l'intérieur. Donc là faut y aller un petit peu avec les doigts pour leur donner une jolie forme parce qu'on est encore une fois sur une recette qui est plus compacte. Allez, je crois qu'il nous reste pile la quantité pour un dernier pancake. Et pour l'instant les gars, je trouve quand même qu'on est sur un sans faute. Genre chacune des recettes correspond pile au nombre de pancakes qu'il faut pour remplir ma poêle. Ok les gars, et bien écoutez, comme tout à l'heure on va les laisser bien dorer d'un côté. Faut quand même laisser le temps hein, que ça saisisse. Là pour le coup j'avoue que je flippe aussi sur le moment où il va falloir retourner ces pancakes. Est-ce que ça va se retourner sans problème ou est-ce que ça va être une catastrophe? Mais on va croiser les doigts les gars. Je propose qu'on se tente au fait de retourner ça. Ah putain, ça a l'air pas mal. Alors par contre je pense que je les ai laissés un peu dorés moi. Ok, non, ça va. C'est trop drôle, les chats, parce qu'on est sur une recette totalement différente. Genre, la texture n'a rien à voir, littéralement. En vrai, ce genre de recette, c'est hyper cool parce que parfois, tu reviens de vacances, t'as plus rien dans les placards. Tu vas bientôt partir en vacances et t'as plus rien dans les placards. Et là, je suis en train de constater que je vous parle de vacances comme si actuellement c'était possible, alors que pas vraiment. Oui, je me suis auto-foutu le seum. Mais bon, bref, parfois, genre, c'est la fin de la semaine et t'as vidé les placards, t'as pas encore eu le temps de faire les courses et littéralement, ce genre de recette, bah c'est la recette fond de placard où tu fais ce que tu peux avec ce que t'as. On va checker rapidement, est-ce que c'est prêt? Ok. En vrai les gars, je suis pas peu fière de cette petite recette de pancake. L'avantage en plus, c'est que là, on est sur une recette vegan. Non mais trop bien! J'étais pas prête du tout à ce que ça donne quelque chose comme ça. Et en vrai, ça fonctionne mais juste
mais tellement bien. J'ai mis mon nez, littéralement j'ai mis mon gros nez dans la recette, ne m'en voulez pas. Laetitia, on passe à la dernière recette cette fois-ci. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas la banane, il y en a qui me disent: Juju, à chaque fois que tu fais des recettes, tu mets quasiment tout le temps de la banane à l'intérieur et moi j'aime pas ça, par quoi je peux remplacer? Pour cette recette, je vais un tout petit peu tricher. Il y aura genre 2 bébés ingrédients qui sont pas considérés comme des ingrédients principaux, donc c'est pour ça que c'est une recette avec seulement 2 ingrédients, mais en même temps c'est quand même sympa si vous pouvez les mettre, et en même temps c'est pas très grave si vous les mettez pas, mais je panique. La base de cette recette Laetitia, vous allez prendre 50 g de farine. Pour ma part, j'ai pris de la farine de riz parce que c'est une farine sans gluten et que je mange sans gluten. Maintenant à la maison, je vous conseille de prendre de la farine de blé complet. La farine de blé complet, ça a un index glycémique plus bas que la farine de blé. Ça vous permet en fait d'éviter les pics de glycémie à l'issue du petit déjeuner ou à l'issue du goûter, ce qui en général vous entraîne un gros pic de fatigue quelques minutes ou quelques heures après, et qui entraîne aussi des fringales et qui vous donne encore faim alors que vous avez déjà bien mangé. Et une fois que vous avez mis votre farine, vous allez mettre du lait végétal. Pour ma part, c'est du lait de soja. C'est ce qui vous permet d'avoir une recette vegan également, donc c'est très cool. Maintenant à la maison, si vous tolérez le lactose, vous faites la même chose avec du lait demi-écrémé. Donc là, on va ajouter 120 ml de lait végétal et on va venir avec un bébé fouet. Les petits chats, il est trop mignon. Remuez tranquillement jusqu'à obtenir une texture qui donne vraiment l'aspect d'un pancake. Faut vraiment remuer jusqu'à ce que vous n'ayez plus du tout de grumeaux. Et là, bien évidemment, il faut que la pâte elle soit plus épaisse qu'une pâte à crêpes. Et maintenant, c'est le moment d'ajouter les petits ingrédients que je vous ai dit, que c'est pas obligatoire, mais que c'est quand même un peu cool si vous les mettez, les petits chats. Vous prenez une belle cuillère à café de levure. Ça va aider hein, tout simplement à faire des pancakes plus aériens. Et petit tips, ça c'est vraiment pas obligatoire, c'est juste une astuce que je vous donne parce que je suis aussi là pour ça, pour vous donner des astuces. Le vinaigre de cidre, ça aide énormément à faire agir la levure plus rapidement, ce qui vous évite en fait de devoir laisser reposer une pâte ou une préparation trop longtemps. Donc là, pour une cuillère à café de levure, on met la même chose en vinaigre de cidre. En la mettant directement sur la levure, on a la levure qui commence à faire des petites bulles. Donc on va pas perdre de temps et on va tout de suite remuer, mélanger de façon à ce que la levure se répartisse vraiment dans toute notre pâte à pancake. Et une fois que c'est fait, vous allez à nouveau, encore une fois, prendre votre poêle à pancake ou votre poêle classique, vous la mettez à feu vif, vous prenez comme tout à l'heure de... Personne ne me répond, je le savais, mais vous pouvez répondre dans les commentaires. De l'huile de coco, les gars. D'ailleurs, j'ai envie de voir si vous êtes des bons élèves. Dites-moi dans les commentaires si vous savez, parce que je vous le dis à chaque fois que je fais des vidéos recettes, les gars. Pourquoi est-ce que j'utilise l'huile de coco pour la cuisson? Vous allez refaire ma soirée si vous avez la bonne réponse. Donc vous ajoutez, comme tout à l'heure, de l'huile de coco un petit peu partout. Et comme tout à l'heure également, vous allez venir l'étaler et laisser votre poêle, encore une fois, hein, bien chauffer. La poêle est bien chaude, donc là, je vais prendre ma préparation que je viens ajouter dans mes petits ronds pour pancake. À tout moment, on est encore sur un perfect au niveau de la quantité et ce serait archi stylé. Ah non, on va peut-être pas être sur un perfect là, les gars. Ah, je sais pas. Là, je suis... Peut-être on va avoir genre un bébé pancake. Ok, ça va être le moment de voir. Est-ce qu'il en reste assez pour notre dernier pancake? Ça va. Il est un peu plus petit que les autres, voilà. Faut pas lui en vouloir, c'est pas sa faute. On va laisser les pancakes bien dorés d'un côté et on va venir les retourner tranquillement. Oh, putain. Magnifique ça. Oh là là, mais oui. Et notre bébé pancake pour la fin. Oh oui, petit bébé. Coucou. Oui. Les chats, je pense que nos pancakes sont prêts. Donc on va tout de suite les retirer du feu, venir créer encore une fois notre petite tour à pancakes. Non mais magnifique. Ils ont trop une bonne tête. En vrai, ça pourrait grave faire penser à des petits blinis. Écoutez les petits chats, je pense que vous le savez maintenant, c'est la routine. On va de suite aller goûter ça avec Bibao. Bibao, qui est mon cobaye à la maison, qui à chaque fois donne un avis. Alors j'avais envie de vous dire qu'il donne un avis totalement impartial. Maintenant, il est quand même au courant que si jamais il dit pas que c'est bon, j'arrête de lui faire à manger. Donc on se retrouve pour la dégustation. La dégustation. Ok, super, Juju. Les rots, on adore, surtout quand on cuisine. Bibou.
J'ai préparé le goûter. Oh, que 3? Mais oui, mais c'est le temps que tu goûtes. Attends, t'avais fait une grosse tour là, donne-moi tout. Mais non, mais je veux d'abord que t'analyses. Genre chaque pancake. Donc celui-là, c'est banane flocon d'avoine. Il a un côté crispy, non? Ouais, voilà. En gros, l'idée, tu goûtes les 3 et tu donnes ta préférence. Ah. Donc celui-là, c'est genre en mode plus à manger avant l'entraînement parce que du coup, c'est full glu-glu. Ouais, on sent qu'il est bien. Là, c'est banane œuf. Ah, plus léger. Ça, c'est très aérien. Du coup, il n'y a pas de farine, pas de. Ah, il est bon celui-là. Ah, parce que l'autre était pas bon. C'est donc ça en fait. Ah, si, si, mais bon. Et celui-là. Et là, le dernier. Là, c'est farine lait végétal. Du coup, il n'y a pas de sucre dedans. Ah, une consistance différente. Ouais. Celui-là, il fait plus apéro, tu vois. Oui, je me disais en gros, tu sais, en mode genre blini. Ouais. Celui-là, il fait blini. Celui-là, il fait petit pancake aérien. Ouais. Et celui-là, il fait pancake du matin pour avoir de l'énergie. Et est-ce qu'on peut essayer de croquer dans les 3 en même temps? Vas-y, Biba, ou montre-nous comment tu manges les 3 en même temps. Putain, secours. J'y vais. Mmh. Est-ce que c'est pas mal le mélange des 3 saveurs et des, et de les 3, des 3 textures? Faudrait ajouter un beefsteak entre. Ça fait un burger. Un pancake burger. Par contre, pour le coup, faire des pancake burgers, ça peut être une super idée de vidéo YouTube. Le pancake burger. Bah... Oh putain, Laetitia, dites-moi dans les commentaires si vous êtes chaud à faire un pancake burger version healthy. Que si la vidéo atteint 100 000 pouces bleus. Ah, vas-y. Encore? Oui. Bon, moi aussi je goûte, donc je vais commencer par le pancake flocon d'avoine banane. Attention. Ok, c'est bon. C'est bon. Je suis d'accord, c'est le pancake genre tu le manges avant l'entraînement. En mode c'est consistant. Une heure avant. Ouais, c'est hyper bon. Tu dis bruit quand tu mâches. Ça te dérange? Tête d'orange. Je tiens à dire, il s'est resservi quand même le mec. Hein. Je meurs de faim. Mais t'arrêtes. Je cherche une copine qui fera manger. Mais t'arrêtes, je rêve là. Je vais tester le deuxième pancake. Là, c'est celui farine lait végétal. Ah ouais. Il est beaucoup plus léger. Hein. Oh de ouf, avec du saumon et de l'avocat. Ah, ça passerait crème de malade. Ouais, plutôt du salé. Ouais, ou alors non, sinon tu mets du sirop d'érable dessus et genre des fruits. Et ça te fait en version, version sucrée. Hein. Et pour finir, on tente le fameux œuf banane. Ah ouais, oh, lui ils fondent dans la bouche. Oh là là, les 3 ils sont trop bons en vrai. Franchement, je vous invite réellement à tester ces pancakes là. Les 3 sont à tester au gré des envies. Donc Laetitia, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre une pète de chat en bas de la vidéo. Likez, partagez, commentez, faites ce que vous voulez. Mais surtout n'oubliez pas qu'un pied de 4 tombe toujours sur ses pattes. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous. Ciao. Tu fais des bisous? Oh, tu fais des bisous? J'ai une copine. Oh, mais c'est moi ta copine. Coupé.